Bonsoir tout le monde, non pas M. Yvenson Frank, c'est toujours un plaisir pour moi avec vous pour présenter au téléjournal là. Rapidement, nous allons voir le plus gros point qui a dominé l'actualité. Mes grands titres, au président de la République, là, Jovenel Moïse, recevoir dans le Palais National mercredi 4 avril, l'aide créance ambassadeur Bolivie, Corée du Sud, Jérusalem de Rhodes et puis Malte, électricité, traitement de l'eau, investissement, aide humanitaire à tourisme, c'est dans quelques domaines qu'ils promettent pour coopérer avec Haïti. Bienvenue en Haïti, c'est non, il y a une opération direction départementale l'Ouest Police Nationale d'Haïti lancée mercredi 4 avril là. Directeur départemental l'Ouest là, Berson Soljou, qui fait annonce l'an, dit opération ça a visé diminuer zak braquage bandit axam a fait sous monde qui a rentré dans le pays. Enquête sous disparition, photo journaliste Vladimir Le Gagneur a progressé, DCPJ a arrêté deux mounes et puis joint chapeau qui était en tête journaliste là. D'après précision au porte-parole police nationale là, commissaire divisionnaire Franz Lerbourg. Ministre économie et finance ensemble avec directeur général douane DGI répondent questions en commission économie et finance chambre des PTA. Question fonctionnement institution Sayo, tenant mi-temps discussion yo. Président République là, Jovenel Moïse ak Première Dame Lan, Martine Moïse, participé mardi 3 avril là dans cérémonie Cloti, 4e édition Rara, dans localité Grand Savane, dans Léogane. Chef l'État mettait en place divers projets pour aider jeunes dans tout pays. Coordonnateur sous commission animation socio-culturelle dans la commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle jeune. Alexandre Telfort pour tes précisions. Ça a été mardi 3 avril. Commission conditions femmes et droits femmes dans le Sénat. Commission conditions féminines et droits femmes dans la chambre députée. Lancé mercredi 4 avril là, une série causerie qu'a fait chaque mois. Dans le Sénat, côté acteurs impliqués dans lutte contre violence sous femmes et timoun abgain pour participer. Dans l'actualité internationale, là, plusieurs dizaines de moun manifestés en silence mercredi 4 avril là, devant Mémorial Martin Luther King dans Washington, 50 l'année après, depuis qu'il était tombé en babal dans Memphis aux États-Unis. Ces points ça y est, un pilote nombral développé pour rester branché Naptoné. Bienvenue dans le développement journal là pour démarrer. Nous allons voir conditions temps avec collaborateur nous, Wilner Polydor. Mercredi 4 avril 2018, c'est un plaisir pour ensemble avec vous encore pour prévision météorologique journée qui s'est toujours côtoyée UHM de concert avec OFNAC et puis Télévision nationale d'Haïti. On a voir comment la situation météorologique là est pour aujourd'hui. Nous avons un mazer qui vraiment humide et instable sous région hein? Et situation ça li causé premièrement par un creux qui trouvait li au niveau de nord-est République dominicaine et centre de basse pression ça qui trouvait li vraiment sous Amérique du Sud et situation ça a provoqué yon masse d'air qui instable sous pays d'Haïti à jeune Noël li sous 4 de température potentielle ça et ça veut dire encore jeudi on attend avec activité la pluie sous tout pays a mais il y a quelques départements côté avec ça plus fort et même modéré et département ça c'est vraiment département centre Artibonite l'ouest sud-est et puis Grand-Est qui a bien la pluie en soirée disons en journée en soirée et au cours de nuit ça et la pluie ça va persister jusqu'à demain dans après-midi et au cours de soirée et ça veut dire moun qui était dans zone qui était gain la pluie hier soir yo et côté sol là commencé gain pile d'eau bien saturé nous mande yo précaution avec prudence parce que activité la pluie va continuer pour jodi a et nous mande yo en pile précaution pour capitale avec zone qui environ yo son capitale qui en bas aussi instabilité et nous prévoit avec la pluie qui capable modérer sous majorité quartier dans capitale qui environ capitale là pour jodi a et nous gon température qui monter jusqu'à 30 degrés jodi a puis pas la descendre dans 20 degrés et j'en ai aussi dit là, la pluie encore
pour jeudi à soir et au cours de nuit là sous capitale avec zone qui environne lieu. Pour maire, c'est un maire qui peut agiter sous Gouverneur Lagonave et côte nord, mais côte sud pays d'Haïti, un maire ali agité et demander capitaine une petite précaution, le fait que a bien la pluie sous région sud, sud-est et puis Ganas, demander aux précautions dans la mer parce que visibilité a très réduit. Et pour page astronomique là, soyez là couché jeudi à 7h04 minutes et la pleuvée demain matin à 6h41 minutes. C'est tout ça de gain pour prévision météorologique journée. Merci pour fidélité avec attention, n'a croisé demain pour une autre page météo. Je nous annonce le grand titio, président République là, Jovenel Moïse, recevoir les créances trois nouveaux ambassadeurs mercredi 4 avril là, dans le Palais National. C'est ambassadeur Juan Ramon Quintana Taborga pour Bolivie, ambassadeur Kim Yang-in pour Corée du Sud et puis ambassadeur Ripran Von Unzu Arco Ziberg, ambassadeur Lord Souverain Militaire et Hospitalier de Saint de Jérusalem de Rhodes à Malte. Dans Chita Palais, chef l'État avec trois diplomates Sayo, échange yo te fait sous divers points, coopération tant coup dans domaine électricité, traitement de l'eau, investissement avec tourisme. Ils ont extrait dans micro Sabine Jean Etienne avec Jean-Naël Duverny. Oui, sûrement, on va faire beaucoup dans la communauté internationale et on va attirer des intérêts à tous les niveaux avec nos pays et la République d'Haïti. Moi, je suis représentant de l'ordre souverain des militaires de Malta et ça, c'est une organisation humanitaire internationale avec l'Église catholique. Ça, c'est l'ordre des hospitaliers pour aider surtout de développer le pays et aussi développer des choses comme des hôpitaux et des projets humanitaires. C'est que nous très contents de présenter à président la République d'Haïti, mais surtout nous contents pour nous rappeler tout le monde que Haïti a contribué dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la guerre de Corée, en faveur de Corée. And currently bilateral relation is very good. Et jusqu'à présent, relation entre deux pays est très bon. And in Port-au-Prince in Caracol, there are many Korean companies. Et nous connaissons que dans Port-au-Prince, dans le parc industriel là, de même que dans Caracol, il y a des compagnies coréennes qui établissent dans le pays aujourd'hui. And they are currently employing 25,000 Haitianos. Et nous connaissons que deux compagnies SAIO, bien s'il y a plusieurs, ont déjà engagé plus que 25 000 travailleurs dans le parc industriel. And they are occupying 10 to 20% of export of IT. Et nous connaissons que production représentait entre 5 à 10% de production IT vers l'exportation. And we have COICA agent of government to share our development assistance experience with IT. Et nous connaissons que une fondation qui est les COICA, qui sont fondations coréennes, et c'est à travers l'agence que coopération coréenne en fait en Haïti pour le développement. Haitianos. Et nous connaissons que deux compagnies SAIO, bien s'il y a plusieurs, ont déjà engagé plus que 25 000 travailleurs dans le parc industriel. And they are occupying 10 to 20% of export of IT. Et nous connaissons que production représentait entre 5 à 10% de production Haïti vers l'exportation. And we have COICA agent of government to share our development assistance experience with IT. Et nous connaissons que une fondation qui est les COICA, qui sont fondations coréennes, et c'est à travers l'agence que coopération coréenne en fait en Haïti pour le développement. And I will This is my first visit to IT, but I will come again and again to strengthen bilateral relations. C'est première visite que moi fais dans le pays d'Haïti, même pas hésiter pour me retourner plusieurs fois pour me capable renforcer coopération et lien d'amitié entre la Corée du Sud et Haïti. Dossier sécurité, direction départementale l'Ouest, police nationale d'Haïti lancée mercredi 4 avril là.
Opération Bienvenue en Haïti, dans l'idée pour freiner Zak braquage, bandit, exam souvent fait sous moun cap rentrer dans le pays, d'après directeur départemental l'Ouest, là, Berson Soljour. Commissaire principal là, Jean Morissette Étienne, annoncé un ensemble dispositions que prévoit prendre dans le cadre d'opération SILA. En suivant extrait dans déclaration ligne, dans micro d'Aline Dorival Émile avec Jordani Bozil. Disposition ça, il prend sur deux niveaux. Donc, opération Bienvenue en Haïti, sur opération de prévention. Parallèlement, pour notre opération qui montait, qui même c'est opération de répression, côté que nous déjà commencé à des résultats, ultérieurement, n'a pas communiqué à la presse, côté grand ensemble de gangs qui a attaqué le monde dans la ressource de la banque et le monde qui sont à l'aéroport. Il y a un ensemble de bandits qui commencent à neutraliser, enquête en cours, nous avons capable de détails. Mais je dis, l'objectif là, c'est le lancement de l'opération Bienvenue en Haïti, côté de la police nationale d'Haïti, sous commandement de Michel-Ange Léon, dans toute disposition pour nous assurer sécurité, population, pour le monde qui a vu l'aéroport. Et l'objectif là, pendant 90 jours, nous fixons et nous voulons réduire la taxe à 80%. Et nous prenons une période de 3 mois et nous avons fait comparaison avec l'autre année passée pour nous capable de faire l'opération en juin 2018 pour nous capable de voir le résultat. Donc l'objectif, c'est 80% de réduction de cas à eau et nous voulons élucider ensemble de cas que nous avons déjà. On dit motayo, zone aéroport, zone côté que motocyclette interdite à dedans. Sorti depuis de CPJ pour arriver jusqu'à 3 mai, motocyclette pas arriver dans la zone ça. Sous ce dans Delma 31, on ne peut pas arriver à traverser soit vous de monter Gérald Bataille et pour ne pas descendre de 3 mai. Zone ça, motocyclette pas de droit fréquenter. Et il y a des sanctions qui là qui prend contre tout moto qui ne respecte pas le principe ça. Au niveau du commissariat aéroport, nous travaillons de concert avec DDO pour nous permettre nous en sécurité au niveau aéroport. Des fois, si on suspecte un bagage, on est capable de jouer une patrouille au cours de route, ou camper, ou informer de la situation. Ou du moins, on prend le téléphone, ou relayer le numéro de téléphone, ça, rapide, vite, pour jouer des policiers qui sont arrivés dans la zone pour dit, soit en difficulté, ou bien soit un bagage qui ne pas vraiment contrôler. Ou bien dire contrôler. Numéro de téléphone, nous avons là, le numéro A, c'est 38 20 11 11. Son numéro qui est basé dans cette CDRO, qui est basé en dedans de DDO, automatiquement, vous pouvez faire numéro ça, vous pouvez joindre l'intervention qui a fait pour vous dans le moment où vous avez une zone qui est en train. Porte-parole police nationale là, commissaire divisionnaire Franz Lerbourg, expliqué enquête sous disparition, photo journaliste Vladimir Le Gagneur dans le quartier Grand Ravine avancé à grands pas. Direction centrale police judiciaire, dans le cadre d'enquête sous dossier ça, arrêté des individus et puis joint chapeau qui était dans tête journaliste là. De l'autre côté, porte-parole PNH la fait qu'on ait un processus pour faire test ADN sous ensemble zo yo joint dans Grand Ravine. Il y a un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Hervé Pierre. Bon, on était déjà connait qu'il y a une forte probabilité pour monsieur mourir. Pas vrai? On a des informations qui dirigeaient nous vers un charnier, côté que nous allions récupérer des ossements assez frais et chapeaux. Okay. À ce stade de l'enquête, il y a une confirmation qui baille par madame monsieur de chapeaux. Là, on est en phase, comme on dit déjà, de test d'ADN qui vous confirmer totalement, sans aucun doute que c'est monsieur. Et pour cela, il y a des contacts qui prend déjà avec le laboratoire étranger, côté la police internationale là-bas, mais nous n'avons pas qu'à préjuger de combien de temps que ça prend. Nous sommes dans la deuxième phase d'enquête là, s'il vous plaît. Que le confirmer, que le pas confirmer que c'est monsieur, il y a un ensemble de travail que la police est obligée de faire pour élucider question ça d'abord et résoudre le problème de la vie ensuite. Et dimanche, nous avons dit que nous n'avons pas avancé sérieusement et nous n'avons pas anticipé ni fait des déclarations hâtives
Un fait est que il faut que la zone de Grand Ravine soit sécurité pour ses habitants. Le monde qui fait crime là, monde ça li hors d'état de nuire. OK, si son groupe de monde que hors d'état de nuire. Donc tout autant que la police peut résoudre problème ça, il faut qu'on parle de satisfaction. Naturellement, le quand on a un monde cher ou qui disparaît, on a aimé qu'on vérité sous lui. On a aimé que bah elle a été en phase disparition tout le temps. Pour pas jamais gagner vérité finale là sur question hein? Parce que pour nous en faire deuil il faut que nous en connaît exactement ce qui passé mais quand on me dit oh qu'on est déjà et je suis vraisemblablement fatal. OK, maintenant c'est réponse que la police va le bail à situation ça qui peut aller résoudre ensemble de frustration. Il faut que justice soit rendue. La réponse à grand avis n'est pas seulement policière. La police a un travail pour le faire en l'air. Et la police a fait. Mais la police souhaitait coordonner tout ça l'a fait avec d'autres pouvoirs publics qui pourraient bailler les gens dans la zone de confiance pour ne pas être otage de quelques individus armés. C'est l'idéal. Pour gagner la paix totale, il faut que les réponses ne soient pas policières seulement. Après direction Parlement haïtien, commission conditions femmes ak droit femmes dans Sénat ak nan chambre député a accompagné mouvement femmes haïtien pour éducation ak développement en présence ministre conditions femmes lan Enid Innocent lancé mercredi 4 avril là en série causerie qu'a fait chaque mois dans Sénat côté acteur impliqué dans lutte contre violence aux femmes ak timoun a bien pour participer. Président commission conditions femmes avec droit femmes non Sénat Dieudonné Luma Etienne t'es dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Dans quatre plans d'action commission nous sommes lancés premier causerie nous tout compte qui ça veut dire 3 avril pour femmes pays d'Haïti et dans cadre ça nous même au niveau de parlement et dans l'idée pour nous capable renforcer leadership féminin et ben nous t'a gardé. Et un point qui est très important, qui c'est loi discriminatoire sous question femme dans le pays d'Haïti. Donc, je dis, premier causerie ça que nous lancer, nous avons le privilège d'accueillir et souvler le mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement à travers trois représentants. Nous sommes contents de la causerie ça. En présence de ministres qui dirigent ce secteur là et dans souci pour nous capables bailler population outils pour défendre tête yo outils pour que mesdames yo capables sentir yo à côté garçon yo même gens garçon yo à côté mesdames yo. Ministre conditions femmes avec droit femmes là Enid Innocent exprimé satisfaction pour lancement canal ça qui permet tout acteur qui impliqué dans cadre lit pour émancipation femmes avec lit contre violence sous femmes capable continuer à discuter et puis faire respecter droit mesdames yo. Un extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Woodbridge. Moi senti beaucoup plus honoré ou bien nous senti nous marqué un pas en plus par rapport à acceptation de loi sous violence que sénatrice l'a fait hier et que nous même dans le ministère conditions femmes et droits femmes à travers combat que nous avons mené pour que loi ça enfin que le prend en compte que nous avons mené combat depuis l'année dernière que malheureusement pas de prend en compte et que par complicité nous mêmes comme femmes et nous dit que nous fait complot positif loi ça en fin de compte le Sénat a accepté que le prend dépôt. Nous dit que journée aujourd'hui et violence qu'a fait sous forme active dans la société a li fait sous plusieurs formes et le gagne une loi qui déposé et que li passé nous dit que tout le monde qui a fait violence que ce soit sous forme avec sous tifi leur connaît qui ça cap attend yo nous dit que à chaque fois que vous veut faire violence il a réfléchi 100 fois il a réfléchi 1000 fois et nous dit bravo journée aujourd'hui non seulement pour sénateur Dieudonné mais nous dit bravo pour tout sénateur qui t'a accepté des populations et plus particulièrement pour deux sénateurs ça qui entourent nous sous ta table là nous dit que dorénavant condition ministère condition femmes organisation femmes yo pas pour compte yo dans combat que n'a mené et nous gagne en pile monde tout dans société civile là qui comprend travail que ministère condition femmes a fait sous terrain qui accepté pour corénon pour nous cap aller de l'avant parce que l'île le temps dans 21e siècle là pour femmes yo cap joindre vraie place yo dans société.
Commission économie et finance chambre députée à Chita Palais mercredi 4 avril là avec ministre économie et finance là accompagné plusieurs directeurs général Tankou la douane DGI autorité portuaire nationale question fonctionnement institution sayo tenamit en discussion yo président commission député Gandhi Dorfeuille dit yo pas satisfait ak réponse yo li promet pou yo rencontrer encore ak autorité sayo avant longtemps yo extrait nan micro Fedna confident ak Moïse Wilwich était ministre là avec directeur général OAVCT directeur général BMPAD et douane DGI et APN pour te venir expliquer devant commission la situation économique et financière pays qu'a fait côté population a fait face je voulais dire nous avons constaté qu'il y a un problème de dédollarisation qui pose un peu le problème oui nous pour mesurer ça mais il y a l'été fait dans la précipitation te manquer concertation et secteur capable dit et commercial qui dans pays a secteur privé a yo profité des li pour faire une série d'abus pour faire une série de dérives donc commission te prend les soins pour l'inviter ministre là pour mandel qui disposition qu'elle prend pour résoudre problème ça parce que gagne moun non seulement question de dollarisation li pose problème dans sens dans façon qu'elle te prend mais moun k'ap vann yo marché secteur privé a profité de ça pour top tout petit population faire augmentation des prix, faire augmentation des coûts par rapport à taux de référence et BRH là. Nous t'ai parlé avec ministre là tout sous question qui gagne pour avec déficit budgétaire. Donc je dis à nous dans situation côté que gagne plus que 14 milliards de gouttes de déficit et nous dans environ 7 mois de budget là côté situation ça nous capable dit s'il continue comme ça donc qu'il y a une grave crise puis devant avec inflation. Donc sous point ça nous t'ai abordé question ça avec ministre pour nous qui mesure qu'il a pas nous parler des questions et projet que yo gagnent en dans gouvernement pour augmenter et gasoline ou de, pour pas subventionner gasoline donc nous mettez ministre en garde pour nous dire attention donc population en dans situation difficile nous même comme député nous prend responsabilité nous t'es gon première décision que t'es prend comme ça qui t'es créé un pile problème nous même nous là pour nous veiller à ce que population, surtout les plus démunis, les plus faibles, pour pas punir en deuxième fois par question augmentation prix gazoil. Faut remarquer aussi question qui vient pour avec et dossier contrebande, c'est lui-même tout nous abordé dans rencontre là. Contrebande son bagage nous capable dit qui rivé qu'a ronger tissu population, tissu social population parce que monde qui en dans système contrebande là c'est un appareil l'état même monde ça au chita nous joindre monde ça dans droite nous joindre monde ça dans ministère nous joindre monde ça dans secteur privé donc gagne un circuit le circuit vert côté population pas ca joindre service parce que l'argent recette douane pas arriver. Ministre économie et finance là Jude Alix Patrick Salomon dit ministère finance avec toute direction qui sous titelle l'IO a continué travail pour améliorer conditions la vie population hein. Ministre Salomon dit gouvernement chita parler avec différents membres qui dans secteur privé a sous dossier dédollarisation économie hein. Et gain disposition qu'a prend tout pour résoudre problème contre bonne là. En suivant extrait d'un micro Fedner confident avec Moïse Wilwich. L'idée nous oblige à comprendre chaque situation particulière pour qu'on y en là dans application mesure nous pas vini à l'encontre d'intérêt entreprise la caille. Mais faut tout bien comprendre et gouverneur toujours à parler nous de croissance. A dit meilleurs amis goutte là comme monnaie locale c'est croissance et mon corollaire c'est production nationale ça veut dire que ça tout ça ka, ou bien produit pour exporter ou bien substituer à importation c'est faciliter de telle sorte que il y a moins acteurs besoin d'eau là pour l'acheter là donc c'est pour me dire que nous gagnons un pile élément que n'a considéré mais nous gagnons concertation évidente avec acteurs économiques il faut regarder nervosité que nous avons observé première semaine deuxième semaine et arrêté fin février début mars il faut voir nervosité ça par là et nous commencer ouais que
Dakar dit tout acteur a aligné sous affichage des prix en gros. Maintenant, gagné aspect taux de change qui utilisé, il y a des fois des taux de change assez farfelus. Faut que nous bien comprendre que pour acteur économique, valeur bien, c'est pas valeur bien que le tachia, c'est valeur pour le remplacer bien. C'est coût de remplacement que le garder. Lorsque font commerce, quand pour si ma vente ça, mais toujours à essayer vendre produit ça pour le ma pas acheter, renouveler stock pour me pas perdre. L'autre dossier dans le journal là, c'est mardi 3 avril là, Moun Léogan mettait bout dans l'activité Rara dans le cadre de 4e édition Rara qui déroulait dans la localité Grand Savane. Président République là, Jovenel Moïse avec Premier Dame là, Martine Moïse, t'es participé dans l'activité ça, qui c'est une initiative député Léogan là, Jean Wilson Hippolyte. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Ban ak fanatik rara sorti nan tout section an dan commune Léogan pou vin clôturer activité sa nan Grand Savane la kay député Jean Wilson Hippolyte. Député Léogan nan félicité population an ki réalise yon exercice rara pendant 7 week-ends sans violence. Depuis après mercredi le centre rara a commencé dans la cour Léogan. Rara a fait 7 week-ends et qu'il y a une pile évolution qui fait dans la commune. Et ma petite toute bonne Rara, je merci tout. Parce que je nous demande Olia, Rara, les fêtes Anessa sans violence. En pile challenge. Pas de perte en vie humaine. Tout le monde met tête ensemble pour mettre Rara bien haut. Moi je dis nous merci. Mabaldino, Anessa, ton coup l'année dernière, l'État baille une assistance assez soutenue pour faire Rara. Clôture saison Rara presque tourné un rendez-vous. C'est un espace côté mardi qui vini après dimanche Pâques là, ban yo vin ba yon dernier performance. Parmi ban sa yo, nou te gen chance wè évolution Kafou Médecin, Yokan, Timalis Caché ak Saint-Ouse. Président républicain Jovenel Moïse et Première Dame Martine Moïse participaient bon côté plusieurs députés 50e législature dans la clôture Rara Léogan. C'est l'occasion pour chef l'État parler à Moun Léogan sur une série stratégie administration l'a mettait en place pour arriver toucher population tant coup état généraux sectoriel nation à caravane changement. Semaine qui s'est passée, je lance l'état généraux sectoriel nation. Côté pour tout haïtien, nous yon nous capa la clotte. Regardez comment nous tous ensemble nous dans Rara. Rara ça qui soude nous ensemble. Rara ça son fait. Ou te mettre dans des moun Léogan côté lié à fête Rara Folvin Léogan quand même. Parce que fête ça son fait qui soude tout haïtien ensemble. Rara n'a pas sereine. Rara dans Tirigue la Tibonite, Rara dans Quartier Belle dans Port-au-Prince, Rara dans Léogan.
Rara, tout côté, je voulais parler de Rara Naval dans la zone Gantier, Rara dans l'asile, Rara dans tout gros côté dans le pays d'Haïti. Ça veut dire fête ça, son fête que Haïtien gan pile estime pour lui. Même à petit nous, pendant fête Rara, qui s'est fait l'unité à fait vivre ensemble. M'a répété nous, j'aime toujours dire nous chaque fois. Si nous avons besoin d'un pays qui est meilleur que le pays nous avons aujourd'hui, dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer le travail. Pour nous commencer le travail, j'entends dire nous, m'a mettre courant, m'a mettre l'eau, m'a construire route dans tout le pays. Malgré yon danse Rara tout partout dans le pays, Léogan rete yon référence internationale pour activité culturelle sa. Député Léogan nan Jean-Wilson Hippolyte remet yon plaque honneur à mérite by président républicain Jovenel Moïse pour Jean li supporte Rara nan Léogan. Député a te remet tout yon plaque honneur à mérite et puis yon enveloppe à chaque ban Rara qui te performé. Nous allons faire un deuxième campé dans le journal là, après tourner après pause là. L'émission journal là à poursuivre. Professeur linguiste Yves Desjans mourit dans Port-au-Prince 29 mars passé à dans l'âge 90 l'année. Télévision nationale d'Haïti parlait à quelques collaborateurs professeur sous Evli à capacité pour collaborer à l'autre monde. Esaïe Aurelius avec Jordanie Bouzil a présenté professeur Yves Desjans fait Port-au-Prince dans mois 1927. Il fait études dans philosophie et théologie et puis prend un diplôme doctorat en linguistique dans l'Université Indiana dans pays États-Unis. Après 16 années dans l'autre bord de l'eau, professeur Desjans tourne dans pays dans l'année 1986 côté il était enseigné linguistique dans l'école normale supérieure avec faculté linguistique appliquée. Départ Yves Desjans quitte un vide dans société a selon quelques collaborateurs qui qualifient de yon humaniste, professeur et scientifique sans pareil. Lui, c'est un grand scientifique parce que Yves Desjans n'a pas rien à écrire, pas aucune recherche l'a fait, il n'a pas cherché, vérifier sa vie. C'est ça qu'il fait, il dit où? Le monde qui peut faire le connaît, recherche lui à tomber d'aplomb, dans la langue créole. C'est à l'alphabet la même. Ce sont qui étaient croyants. Tout le monde, c'est monde, pas un monde, pas c'est monde. C'est le principe de la vie. Et l'idée. C'est comme si nous avons contaminé tout le monde qui travaille avec elle, avec l'idée ça. Et je suis capable de dire, toujours dire, si je ne travaille pas avec Yves, je ne suis pas monde aujourd'hui. Simplicité Yves agit sous moi en pile et c'est lui qui explique toute modestie de développer dans la vie. À côté coup de pouce li l'enseignement, professeur Desjans participé dans mété campé plusieurs institutions dans pays a. C'est cas secrétaire d'état pour alphabétisation dans l'année 1994 et puis académie créole haïtien dans l'année 2012. Pour académicien Pierre Michel Chéri, professeur Desjans te travaille pour quitter monde conséquent dans lit pour faire valer langue créole là. Nous, dans l'Académie Créole, là, pour un bon Yves Desjans, qui était nous avec un pile la peine. Mais toute satisfaction, il y a déjà du travail, il y a un monde qui prépare, qui paraît pour le quotidien de travail qui déjà a fait dans le pays. Et nous-mêmes, dans l'Académie Créole, ici, nous avons déjà honoré Yves Desjans depuis à dépasser, parce que le 10e année de SMI, nous avons déjà honoré déjà. Et on est là, vraiment, montrez-nous que nous sommes dans le monde là et dans le quotidien de travail qui est déjà fait dans le pays. Gros défenseur en créole, professeur Yves Desjans, mort 29 mars passé à Port-au-Prince. Lycée auteur, plusieurs livres et articles sur langue créole, parmi eux, on apprend orthographe créole là, comment écrire le créole d'Haïti, à qui on l'école tête en bas, dans un pays tête en bas. D'après explication, coordonnateur sous commission animation socio-culturelle dans la commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle Genio, Alexandre Telfort, président République, a gagné divers projets pour jeunes dans le pays. À travers la commission, ça a gagné ensemble un programme qui déjà été campé pour permettre Genio évoluer dans différents domaines.
coordonnateur a expliqué activité sa yo a réalisé dans plusieurs communes dans pays. Yo extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Jordanie Bozil. Programme qui commencé déjà yo, par exemple programme entrepreneuriat jeune, côté que dans chaque commune chaque 4 mois président tient à ce que gain de nouvelles entreprises jeunes qui créent bénéficier dont toto d'intérêt de 3% l'an et en plus cap dégressif. Et ensuite, nous avons un programme de 10 000 codeurs que nous avons essayé d'implémenter. Donc, son programme qui va le faire. Que gain plus jeunes qui excellent dans la programmation informatique pour faire site internet, pour faire application. Donc, et aider même le pays à dans ce sens-là, parce qu'on connaît, président, que la technologie a son vecteur de croissance. Livrer que les jeunes prennent le domaine ça pour eux. Et dans ce sens-là, nous travaillons en pile avec les jeunes. Et ensuite, nous avons un aspect animation socioculturelle, côté à travers le pays, nous avons recensé ensemble de acteurs socioculturels et aussi les associations de jeunes qui existaient pour nous travailler à l'élaboration finale d'une politique que avec le ministère de la Jeunesse que nous allons finaliser et bientôt et qui cap aider à partir de prochain budget et de dispositions qui commencent à prendre en faveur des jeunes. Lettre nomination, ajustement salaire, compensation financière pour plus passer 150 contractuels. C'est quelques parmi diverses revendications syndicats travailleurs santé dans l'hôpital général fait mercredi 4 avril là. Président STS là, Rosta Georges Alisma, à bail détail. Dans le micro, Rodney d'Orléans avec Fresnel Toussaint. Demande ministère, est-ce que pas bon montant qui a alloué pour chaque l'hôpital? Mais si bon montant qui a alloué pour chaque l'hôpital au niveau budget, quel bail est l'hôpital montant ça à temps pour régler le business de l'hôpital? Et puis l'hôpital en retour, il y a un rapport pour voir le ministre. Parce que je dis à si on ne peut pas rentrer pour pas rentrer l'hôpital général. Ou pas rentrer parce que tout ça pour faire l'hôpital général, c'est l'argent pour faire. Malade, il faut le penser avec parce que si pas un malade, pas un employé. Pas d'employé au moins, même mon plat chaud, par jour, il faut malade, il faut que grand monde jeune et mon temps qui était alloué pour yo comme grand monde nouveau aller. Il faut l'être nomination, venir pressé. Il faut 11 000 gouttes, doit passer à 14 000 gouttes. Il faut personnel administratif, yo, mes amis, c'est mon et tout ce travail. Il faut toucher par ajustement de salaire qui était bas là, il faut que nous touchions par lui-même. Association Machan Mas mandé autorité l'État yo accompagner Machan qui pèdi marchandise nan dife qui était éclaté en bas la villa nan marché Hippolyte ak marché Million. Machan sa yo expliqué c'est bon Jean crédit qui permet Machan yo reprendre activité yo pour yo ka répondre ak responsabilité yo. On suit yon extrait. Mandé ak autorité haïtien yo pour pas oublier toute Machan qui était victime gros dife en bas la villa. Côté machin ça a été perdu tout ça a été gagné et là nous connais gros responsabilité femme gagné sous tête yo spécialement femme haïtienne yo qui jan yo suspend coupi dans misère humiliation et déception. AMCM a demandé toute autorité dans l'état yo pour accompagner tout monde ça yo qui victime nan plateforme nan n'a structuré mesdames yo nous voulons que yo mette tête yo en valeur et former tête yo davantage dans société ya. Et parce que si nous plus, nous avons fait plus de bagaille. Si nous plus, pour nous avoir une élection, nous avons une élection en tout pour nous. Et qui s'allie, c'est encadrement, c'est structure, et puis avec bon genre crédit pour les machins qui sont victimes en bas la ville. L'autre dossier, Union Mission Adventiste, 7e jour en Haïti annoncé, un rassemblement. National, il y a organisé samedi 7 avril Cap Venila, président mission Adventiste pour Haïti, pasteur Pierre Caporal ak directeur mission pasteur Tancred jeudi fait qu'on ait initiative ça rentrer dans cadre évangélisation mission l'église Adventiste dans monde lan et spécialement Haïti qui fait partie division inter-américaine lan. N'a invité au suivre un extrait dans micro Colo Elizer ak Michaud Joseph. L'a invité la communauté haïtienne d'une manière générale a fait cette même expérience de transformation. Et lorsque le peuple aura été transformé par le seul pouvoir transformateur de Jésus, le changement ou la transformation tant souhaitée au niveau de notre pays a fini en réalité. C'est pour ça, à la fin de ces trois semaines d'évangélisation, nous allons avoir une grande célébration
une grande célébration qui va réaliser au stade Silvio Cator, côté que les églises vont réunir, les prédicateurs qui a prêché un peu partout à travers le pays vont réunir, et nous voulons profiter de la présence de ces représentants de la presse parlée, écrite et télédiffusée pour lancer cette invitation de manière publique et officielle à tous les amis de la communauté haïtienne pour que vous rejoignez nous ce samedi 7 avril au stade Silvio Cator. Le programme débute à 9h. Le programme ça, c'est un programme qui est pour objectif pour que 20 000 nouveaux membres d'église, nouveaux membres entre l'église là. 20 000 nouveaux membres entre l'église là. Et ce n'est pas seulement en Haïti le programme ça, ce n'est pas seulement pour Port-au-Prince le programme ça à faire, je m'excuse, mais la fête sur tout le territoire haïtien. Le Cap, le Nord, le Nord-Ouest, la Plaine, le Sud, et nous avons un prédicateur étranger qui, juste qu'à Jérémie, qu'a prêché un seul message. Le message que nous prêchons se trouve dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le message de la parole de Dieu. Directeur général Office national migration de Lajoie fait bilan travail réalisé dans l'institution ça sorti 21 juin 2017 pour arriver journée jeudi à Eude Lajoie qui fait un râler sous mission ONM expliquer institution la géréa pas gain pour intervenir sous dossier haïtien qui gain problème dans pays étranger. Ensuite précision ligne Amico TNH. Première action que nous posé gen un centre d'hébergement à Marin qui en temps normal maximum ou te ka mettre 15 moun dormi là-dedans kon gen des fins de semaine kon gen plus que 200 moun ki nan espace sa k'ap dormi grand moun tan kou ti moun. Eh bien nou te pran disposition bien vite pour nou te changer local ça côté que nous pour local qui beaucoup plus approprié du côté de Tabar pour centre d'hébergement. Deuxième réalisation, pendant que président Jovenel a goumé contre la corruption, si boîte ça que nous observons, eh bien corruption t'a fait rage dedans. Moi vinn là m'jwenn 8 employés qui résidait aux États-Unis pour la plupart là-dedans depuis 3 ans. Chaque mois, chèque yo sorti, yo te continué à toucher. Lèm rentré, premier ça me fait bloquer chèque ça. Mission ONM, c'est assurer, premièrement, accueil migrant yo. Assurer accueil l'envelé dit. Travail ONM commencé dans la minute que migrants foulent fol sol haïtien. Pour ça qu'a passé à l'étranger, ONM pas gain rien pour louer là-dedans. C'est ministère des Affaires étrangères qui traite les questions bilatérales au nom de l'État. Deuxième attribution ONM, c'est à assurer réinsertion sociale migrant yo, quel que soit côté yo sorti. Mais de 1995 à date, ONM pour qu'on capable assurer réinsertion sociale migrant yo, vu que ONM pas gen capacité pour ça, li pas gen moyen en enveloppe budgétaire pas permettre lui assurer réinsertion sociale migrant yo. N'a font coup de pied l'autre bord de l'eau. Emmanuel Macron rencontré une délégation opposition vénézuélien mardi 3 avril là. Emmanuel Macron critiqué conditions élection présidentielle 20 mai prévoit organiser dans pays Venezuela. En suivre.
après critique président français Emmanuel Macron, Venezuela mandé Paris respecter sa capacité la Kaili. À mardi 3 avril là, Emmanuel Macron recevra trois représentants opposition vénézuélien dans palais Élysée. Président français a exprimé regret li pour condition élection présidentielle 20 mai prévoit organiser côté état des droits ak droit moun pas respecté. Opposant vénézuélien yo, ancien président Assemblée nationale vénézuélien Julio Borges Carlos Vecchio, représentant parti politique Voluntad Popular ak ancien magistrat Caracasta Antonio Ledesma, tamen yon tournée européenne côté yo commencé ak la France pour tenter augmenter pression internationale la sou gouvernement en place là. Opposition vénézuélienne mandé pour yo pas reconnaître résultat prochain élection présidentielle yo. Caracas réagit sous Twitter par moyen ministre Affaires étrangères Lia qui déclarait yon président pays la France patado yon marionnette nan men Donald Trump et puis pire encore suivre l'ordre li yo. Président américain tankou Union européenne ou soit Pérou condamné agissement Maduro côté yo prend sanction. Emmanuel Macron a déjà qualifié gouvernance Nicolas Maduro de dictature après mise en place assemblée constituante avec répression série manifestation qui était la cause 130 monde perdu la vie yo. Plusieurs dizaines de monde manifestés en silence mercredi 4 avril là devant mémorial Martin Luther King dans Washington. Ça gagne 50 l'année depuis Martin Luther King était tombé en babal dans Memphis aux États-Unis. En suivre. Devant mémorial pour Martin Luther King dans Washington, plusieurs dizaines de monde étaient rassemblés dans mémoire pasteur noir qui était victime d'un assassinat ça a 50 ans. Dr. King était fait connaître dans la nation américaine en l'année 1963. Les salités prononcées devant plusieurs centaines de milliers de monde, phrase célèbre ça, me rêvé pour quatre petites mois vivre un jour dans une nation, côté au pape jugé d'après couleur peau, mais sous ça, il vaut. Et année en après, il recevait Nobel la paix pour action là, il était toujours voulu sans violence. Mais 4 avril 1968, Martin Luther King recevait un balle dans la tête, un ségrégationniste blanc sous balcon un motel dans Memphis. N'a retourné la caille, Fédération nationale Kazakh d'Haïti Fenaka dénoncé conditions, il dit Kazakh yo ap travail. Dans ce sens, responsable Fenaka a demandé aux autorités de prendre disposition pour faciliter comité section communal yo remplir mission yo normalement. Ensemble, Kazakh a encouragé chef l'État par semaine en cabinet ministériel là. Il souhaitait choisir personnalité cap continuer aider le travail dans l'intérêt population. Un extrait d'un micro Finlande Delphin avec Hervé Pierre. Nous même Kazakh avec Azek, nous mettons nous ensemble pour nous dire. Nous faisons commencer, nous à peine monter. Nous avons besoin de monde qui travaille ensemble avec nous. Voilà. Moi-même, c'est une femme. Moi, je représente l'association Femme Kazé. Moi, là pour m'appuyer tout bon travail qu'a fait dans le pays. C'est vrai qu'il y a un pile problème dans la collectivité. C'est vrai que ce n'est pas facile dans la section communale. C'est vrai que c'est difficile. Ils font promesse, c'est difficile pour le respecter, c'est vrai. Mais je dis, je pense que un changement de cabinet ministériel, oui, il est difficile. Parce que faut que les choses aillent bien. Mais l'un a changé, gardez bien qui moun a changé. Et pas changer pour changer. Et pas changer pour changer. Gardez bien moun qui travaille. Dans la collectivité, avec un pile casette, les choses ne sont pas faciles. Mais différents points ont été développés pour vous dans le journal là. Président République là, Jovenel Moïse recevra dans le Palais National mercredi 4 avril là. Lettre créance, ambassadeur Bolivie, Corée du Sud, Jérusalem de Rhodes et puis Malte. Électricité, traitement de l'eau, investissement, aide humanitaire à touristes et dans quelques domaines, ils promettent pour coopérer avec Haïti. Bienvenue en Haïti, c'est non yon opération direction départementale l'Ouest Police Nationale d'Haïti lancée mercredi 4 avril là. Directeur départemental l'Ouest là, Berson Soljou, qui fait annonce là, dit opération ça visée diminuer zak braquage bandi exam a fait sous monde cap rentré dans pays. Enquête sous disparition photo journaliste Vladimir Le Gagneur a progressé, DCPJ arrêté des monde et puis joigne chapeau quitter en tête journaliste là, d'après précision, porte-parole police nationale, la commissaire divisionnaire, Franz Lerbourg.
Ministre économie et finance là, ensemble avec directeur général douane DGI répondent question commission économie et finance chambre députée a question fonctionnement institution sa yo tenant mi-temps discussion yo. Président République la Jovenel Moïse avec première dame là Martine Moïse a participé mardi 3 avril là dans cérémonie clôture 4e édition Rara, non localité Grand Savane, dans l'Erogan. Chef l'État a mis en place divers projets pour aider les jeunes dans tout le pays. Coordonnateur sous commission animation socio-culturelle dans la Commission nationale pour l'innovation avec insertion socio-professionnelle jeune, Alexandre Telfort, pour des précisions, ça, hier mardi 3 avril. Commission conditions féminines ak droit femmes dans Sénat, commission conditions féminines ak droit femmes dans chambre députée a lancé mercredi 4 avril là en série causerie cap fait chaque mois dans Sénat côté acteurs impliqués dans lutte contre violence sous femmes ak timoun a bien pour participer. L'actualité internationale là, plusieurs dizaines moun manifesté en silence mercredi 4 avril là devant Mémorial Martin Luther King dans Washington, 50 l'année après, depuis l'été tombé en babal dans Memphis aux États-Unis. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Restez suivre reste programmation. Nous souhaitons passer une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti.